Salut à toutes, salut à tous, c'est Icygnus, on se retrouve pour notre saga Civilization 5 Brave the New World et cette guerre contre les Zoulous. Alors avant ça, je voudrais remercier Newscope qui a fait mon intro là que vous avez vu. C'est la première fois que je la mets sur une vidéo parce que elle est toute récente. Donc je voudrais vraiment remercier Newscope, c'était lui qui m'avait également fait mon logo et ma bannière. Donc merci à toi et pour te remercier, je mettrai le lien de ta chaîne dans la description de la vidéo. Voilà, donc on s'occupait des Zoulous, on prenait assez cher mais on commençait à reprendre du poil de la bête et là ils étaient sur Elephantine. Donc on m'a donné pas mal de conseils, je vais essayer de les suivre. Le premier étant de faire diversion avec ces unités afin de changer de... avec les unités qui sont au nord là sur Heliopolis afin d'attirer un peu de troupes sur Thèbes et non sur le front principal qui est Elephantine. Donc on va déjà tenter cela. Bon, pour le moment on va essayer de se soigner avant, on va rester comme ça tant qu'on n'est pas soigné. Et on m'a aussi conseillé de mutiler un maximum les unités ennemies afin de leur qu'elles soient moins efficaces sur les dégâts. Donc c'est parti, la guerre se poursuit, on va essayer de repousser l'envahisseur. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. Nous ne voulons pas entrer dans la nuit sans combattre. Nous voulons vivre. Nous voulons survivre. Aujourd'hui, nous déclarons le jour de notre indépendance. Ouais. Bon, là, on est en train de prendre cher, mais on résiste, on résiste. On prouve qu'on existe. Oui. Non, il va pas tous les faire. C'est qui ce mec? Ah, au secours! Je pensais pas qu'ils avaient autant d'unités en réserve. Ça fait mal. Bon. Lui, il est guéri. Hop. Notre petit Irem va aller se soigner. Alors, ici, bah oui, tu vas continuer la route précédente sur Erevan, notre navire marchand. Alors, bien, on en était où? Qui est-ce qu'on va se bombarder? En gros, on peut tous se les bombarder. Le tout, c'est d'être stratégique. Se faire celui-là. On lui a fait mal quand même. Alors, toi, tu vas bombarder lui. Ah, dis donc, on leur fait presque rien en dégâts, c'est un truc de fou. Toi, tu vas tuer celui-là. Général ici. Alors c'est bête parce que j'expose mes archers mais j'ai pas trop le choix, lui il est mal placé. Toi tu te fortifies. Hop, tu te soignes pour ce tour. On va les harceler. On va suivre, je vais suivre vos conseils, je vais les harceler. Soigne-toi. Alors, on en est où au niveau de la production d'unités? 6 tours pour le spadassin. Un tour là, Nimrud. 9 tours. 9 tours pour le chevalier sur Assur. Et 6 tours pour le spadassin de Kar. Allez. Les gars, il faut résister. On va voir
qu'ils vont tenter. Ils bombardent la ville là. Donc, faut qu'on attaque leurs archers et leurs arbalétriers. Oh là là, on est en train de prendre cher. Il faut tenir, il faut tenir. C'est bien, on résiste. On résiste. Ah, pardon, j'arrive plus à parler tellement je suis prêt. On a éliminé une unité ennemie, ça c'est bien ça. Alors... rien faire avec mes tours de siège à part contre les villes. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'en servir pour attirer les unités. Alors ici on en est où? Alors on a notre piquier, mais on va pas d'abord s'occuper de lui, on va tout d'abord on va bombarder l'arbalétrier. Bien ça. Ensuite lui. Ok, le piquier, on va le soigner. Bien. C'est qui le lion maintenant? Qu'on se fait, parce que lui là on pourrait le finir en un tour. On va d'abord se finir lui en un tour. Allez, bim, tiens, ça te fait mal là, tu commences à avoir tes premières défaites mon coco. Hop, toi tu te fortifies. Alors on est plutôt dans des terrains, il y a les deux. Bon, on va se faire un terrain dégagé parce que j'ai pas mal d'unités qui sont basées sur sur les terrains accidentés. Alors bah toi, si tu veux rester là en attendant, le but c'est vraiment d'attirer l'attention, pas d'attaquer avec mes tours de siège. Et bien on va se refaire une unité, on n'a pas le choix. Un petit piquier ou un spadassin. Allez, on va se faire un spadassin parce qu'ils n'ont pas d'unité de montée. Enfin, j'en ai pas vu pour le moment. On continue. Ah, puis en plus c'est bien, Elephantine va construire sa muraille au prochain tour. Enfin, si elle tient encore. Allez, il faut résister. Oh là là là. Il faut tenir les gars, il faut tenir. Ils sont nombreux mais il faut tenir. La muraille va être construite, ça c'est bien. On va regagner en défense. John Henry dit à son capitaine, un homme n'est rien de plus qu'un homme. Et je ne laisserai pas votre engin à vapeur me battre sans mourir le marteau à la main. Sans mourir le marteau à la main. Découverte de l'acier. Hop, retranche-toi. Alors, on en est où? On a une promotion ici. Alors, on pourrait se soigner. Alors déjà, on va continuer le bombardement sur l'arbalétrier. Bien. Là, on est sur du terrain dégal. Terrain accidenté, colline, forêt, jungle. Hop.
celui-là. On va se soigner. Défense plus 33 contre les unités à distance. Allez, go. Bien, c'est bien. On reprend du poil de la bête. C'est bien ça, c'est bien. On se refait une santé. Hop, toi tu vas monter par là. Alors lequel qu'on se fait? On continue hein, sur les... Faut viser d'abord les unités à distance. Voilà. Alors, nouvelle technologie. On va se prendre la physique afin de pouvoir construire des trébuchets et ça, on pourra mettre à jour nos tours de siège. Allez, c'est reparti. C'est bien. On résiste bien. Allez, on remet un petit coup avec nos spadassins. Voilà, là, il prend cher. Soldats, ouais, ils sont toujours premiers, mais ils ont pris une grosse claque hein, parce qu'ils avaient 10 000 hommes de plus que nous. Là, ils en ont plus que 2000. Alors, mon coco, tu fais moi le malin là. Aïe. Comment s'appuyer pour Elephantine? Oui! On tient! On résiste! Allez! Allez, c'est bien ça! Alors, c'est qui le lion? C'est qui le lion maintenant? Erevan a construit... aimerait que soit construit Machu Picchu. Ok. Moctezuma, nous ne fournissons plus d'or. Alors, Moctezuma. Parce qu'on... Qu'est-ce qu'il nous fournit plus Ah oui. Alors, on va essayer de renouveler l'accord. Il est très gentil, il me souhaite bonne chance dans cette guerre. Nikaki. Ah oui, mais il a plus d'or à échanger, ok. Bon, on va aller voir chez les Espagnols, parce que je crois que j'en vends déjà. Ah, Rel, par contre, elle est pas trop favorable. C'est pas grave. Au pire, elle a des produits de luxe. I trust you are a friend to liberty. Lui aussi, il est plutôt de notre côté. Proceed. Mais on lui en vend déjà, donc on va essayer. Moctezuma, je me souviens plus s'il a des... Non, il a pas d'excédent de ressources. Donc on va se les faire avec Isabelle si elle veut bien. Ah, elle veut pas. Estais loco? Fuck, va te faire foutre. Excusez-moi. Va te faire voir. Bon bah tant pis. Tant pis. Je pense que Moctezuma reviendra vers nous quand... Quand il aura récupéré de l'or. Alors, ici, on me dit que Ninive peut bombarder un ennemi, oui. C'est exact. Hop. On va se le finir avec notre cavalier. Enfin, avec notre chevalier. Il était un peu suicidaire, celui-là. Vous voyez, puisqu'on lui avait bloqué le passage vers Elephantine, c'était plutôt bien joué pour une fois, de notre part. Alors, on va continuer les bombardements sur les unités. Ah
Non, toi tu te fortifies. Ici. Il faut qu'on avance d'une case. Hop. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Guérison immédiate. Allez. On y croit. Voilà, mais il est bien affaibli. Alors, ici. Hop. Soigner pour ce tour. Du coup, je me ferai bien celui-là. Étant donné qu'ils peuvent plus accéder à nos cases, là. Voilà! Terrain accidenté. Allez, on se le finit avec le cavalier. Oui. On va se soigner sur notre territoire. Voyons ce que ça donne là. Bah c'est bon, c'est pas trop mal. On s'en sort pas trop mal, on lance le prochain tour. On va regarder vite fait. Ça y est, on est repassé devant. Oh là là, il est en train de prendre cher. On est... C'est bien ça, on résiste. Ça fait plaisir. Il perd des hommes. Il nous a sous-estimés. Non. Elle veut mon or contre un libre passage. Non, elle va se faire voir. Ah, là, il se dégage. Il part sur l'autre front. Parce qu'il n'y a plus d'unité. Bah là, je veux bien. Épice contre or, j'accepte. Ça va nous redonner du bonheur. On repasse dans le positif. Bon bah là, on est soigné. Et ici on va se prendre terrain accidenté. Hop, on se guérit. Alors bombardement, est-ce que je peux oui je peux l'atteindre d'ici. Oh, la déroute qu'on est en train de leur mettre. Alors fais-moi le malin. On tourne sur la ville. Hop, on se soigne. Là aussi. Là, on va attendre. Ninive, alors tu vas... aller sur Assur, enfin sur Nimrud plutôt, et propager la religion. Oui. Alors on va se soigner. On va soigner toutes nos unités. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que là il a pris cher, mais de chez cher. Alors là, il a pris vraiment très cher. D'ailleurs, je me demande s'il s'appelle pas Stéphane. Et cher. Bon, désolé pour ce mauvais jeu de mots. Alors, mon coco, on fait moi le malin là. Qui c'est qui s'est fait massacrer?
Qui s'est fait massacrer? Alors, 3. Alors là, vous voyez, il y a 3 adeptes du catholicisme et 3 adeptes du zoroastrisme. On va encore propager. Et c'est le zoroastrisme qui devrait passer religion principale de la ville. Ça y est, c'est fait. Et ça nous a amélioré un petit peu tous nos stats. On se soigne en masse. Hop. Ah, la défense s'organise, c'est bien ça. Moi, je suis content là. Ça lui montre un petit peu qu'on n'est pas là pour jouer, qu'on n'est pas des rigolos. On va contre-attaquer une fois qu'on sera guéri. On va améliorer cette unité-là. Pour 95 pièces d'or, on va passer en spadassin à épée longue. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ah, je me mets un peu hors de portée de leur guerrier. Hein. C'est volontaire. Contre là tes ouvriers, mon gars, je serais toi, je te les rangerai parce que... Enfin, je dis ça, je dis rien. Tant pis pour toi, si tu veux les perdre. Hop. On va attendre que notre cavalier soit soigné pour envoyer les tours de siège. Hop, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va lui couper la route, ça va nous dégager ici. Parce que, en fait, ce que je veux pas pour le moment, c'est qu'il puisse me bombarder. On va se placer là. Là, j'ai mis mon spadassin à épée longue ici. C'est pour barrer la route de son guerrier. Hop. Et bien voilà. Et bien sur ce, ça fait déjà pas mal de minutes qu'on est sur cette vidéo. On va se quitter là-dessus. On est sur cette belle remontée. On va regarder quand même les armées. Voilà, 69, on est passé premier. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il nous dit le conseiller militaire? Qui nous oppose aux Zoulous, confirme la supériorité de notre armée sur la sienne. Ne relâchez pas la pression et nous célébrerons bientôt la victoire. Donc on a repris l'avantage en quelques tours. Là, on a réussi, on s'est bien défendu. Je vous remercie pour vos conseils d'ailleurs. Je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Civilization 5, bref, de New World, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Salut tout le monde, à plus, ciao.